de terre inerte dans un champ. Ni son, ni nerf, ni pensée, ni sentiment. Bouddha au rabais, nirvana d'occasion. Qu'est-ce que t'attends? Reste pas là planté comme un con. Si tu continues, tu vas prendre racine. Arrête de rigoler en contemplant ton urine, en contemplant ton urine couler sur tes chaussures en cuir. Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre? Rien n'a d'intérêt, tout m'indiffère. Les gens sentent mauvais, les petits oiseaux s'enculent sur les branches. Le commandant Cousteau découpe un enfant en tranches. Mère Teresa vend de la cocaïne à la sortie des maternelles. Et tu contemples ton urine, et tu contemples ton urine couler sur tes chaussures en cuir. Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre? Observe sans se plaindre toutes ces lumières, une à une s'éteindre. Visage immobile, regard inexpressif, quelques germes font leur apparition sur le pif. Pourquoi tu te laisses aller? Pourquoi tu te débines? Et pourquoi est-ce que tu te marres en contemplant ton urine, en contemplant ton urine couler sur tes chaussures en cuir? Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre? Un jour a rencontré pomme de fer qui l'a sodomisé, passé à tabac, pendu par les testicules. Pomme de terre ou pas, quand on souffre, on est ridicule. Le monde des humains n'est pas fait pour les tubercules. Son visage encore, pourtant parfois se dessine un sourire nostalgique à la vue de son urine, à la vue de son urine qui coule sur ses chaussures en cuir. Avant ça le faisait en rire.